Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oups là, celle-ci, elle n'est pas cadrée comme... voilà, des petits bébés comme ça. J'espère que vous allez tous très bien. Première vidéo de l'année 2024. Donc, qu'est-ce que je vous souhaite? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? L'état de la France, et, enfin, l'état du monde actuel, comment vous dire? C'est un peu compliqué. Je vais vous souhaiter la santé, hein. Parce que bah, le reste, on ne peut pas faire grand-chose, j'ai l'impression. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, la fameuse vidéo des colos terminés du mois de décembre. Parce que bah, avec les vacances scolaires, eh bien, je n'ai pas filmé, je n'ai pas fait de live du tout. Voilà, donc la première vidéo que je refilme, voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais peut-être arrêter avec les dons déjà. Je vais prendre mon petit carnet parce que je vais sûrement oublier quelques... Hein? D'ailleurs, pendant le mois de décembre, je n'ai pas été très assidue. Je n'ai pas noté mes colos comme je les note habituellement. Déjà qu'habituellement, je note pas grand-chose. J'ai carrément pas noté. Mais bon, je vais vous montrer le colo que j'avais fait pour le... défi trimestriel de Gaïoul. Donc c'était explosion de couleurs. Et là, du coup, la caméra, elle est de nouveau plus bonne. Voilà, va falloir que je fasse des réglages encore. Vu que j'ai refait l'overlay, je l'ai refait maison. Hein, c'est moi qui ai fait. J'ai tout fait toute seule. Donc, ah, s'il y a des bugs, c'est possible. Donc j'ai fait voilà, celui-ci pour l'explosion de couleurs, donc dans le confin de Cosmos. C'est ça, de Kirby Rosanne. Je ne sais plus si c'est moi qui l'avais pris. À chaque fois, j'ai un doute. Je ne sais plus lequel m'a pris Natasha Lee, si c'est celui-ci ou l'autre là. Mais bref, je ne sais plus. Là, je n'ai pas mis de mots. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Il va falloir que je me le scotche, mon petit mot là. Voilà. Donc, premier que j'ai fait, je trouvais qu'il rentrait dans le challenge par rapport à l'explosion. On voit un... Vous voyez pas les paillettes, bien entendu, comme d'hab. Est-ce que je l'ai allumé celle-ci? Oui, je l'ai allumé. J'ai mis du pentel hybride dans le ventre de la bête. On a un petit peu de Sakura. Stardust, voilà, dans les ailes. C'est discret, c'est léger. Sinon, c'est du Intense. Voilà, Intense Prisma et de l'hybride. Donc, j'ai fait ma base à l'Intense. Et je suis venue ombrer un peu au crayon. Sinon, la bête, là, c'est du... C'est du Prisma. Voilà. Ça n'a pas ressorti exactement ce que je voulais, mais bon... Je suis quand même contente d'avoir mis de la couleur sur cette bête dégueulasse. Voilà pour lui. Tu sais que je vais ranger mes livres. Bella, tu fais attention. Merci. Alors, ensuite, je vais te ressortir les pages parce que c'était novembre. Par contre, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de vidéo terminée pour octobre. Septembre, octobre, j'ai pas vu. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, pardon pour les coups sur le micro. Je suis désolée. Ensuite, donc le 1er décembre, j'ai attaqué la belle bête, le Wallflower Folk, de Christine Caron. Je l'ai fait en live, suite à une roulette, me semble-t-il. J'ai fait celui-ci. Vous l'avez sur la chaîne de toute manière en replay. Là, j'ai arrêté de vous mettre... en miniature, le fait que le live va commencer machin, je vous ai mis une image du live comme ça, vous voyez à peu près ce qui va être traité lors du live, quel colo va être mis en couleur. Donc normalement vous le voyez sur la miniature, ce live-ci. Donc pour lui j'ai utilisé des prismas, des polis pour les cheveux bien entendu, et des pentel hybrides pour les bijoux. Et il y a du glossy accent, je vois, je ne l'ai pas noté bien entendu, mais il y a du glossy. Voilà, glossy, glossy, glossy. Il y a du pentel hybride, vous pouvez le voir. Et oui, pour changer, je vais me faire des cheveux un peu
Hors du commun, quoique maintenant, c'est tout à fait possible de voir des gens avec des cheveux roses, violets, bleus, voilà. Mais voilà, pour celui-ci. Je l'ai enfin entamé, je suis contente. À peine arrivée, bam, 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 bam. Ou bien, il est trop beau. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, je sais pas si je vous demande, si je vous demande pas. Mon duo avec Princesse, donc avec Claire, parce que c'est pour le défi challenge de Dizziac pour l'effet nuit. Vous l'avez vu, mais voilà, vous l'avez vu, vous voyez plus. Que j'en ai fait qu'un, me semble-t-il. Donc Supervision, Mermaid Coast en fond. Les effets de montagne aussi. Voilà. Il y a du Jelly Roll, il y a du Luminance, style gel hybride, du Prisma. Et puis c'est tout. Je suis un peu poli. Étonnant. Pour le poil, ça m'étonne. J'ai dû prendre comme du poli. Donc voilà pour celui-ci. Une double page. On s'est pas prévu de colo là. Avec Claire, la page white. Pour qu'on avance peut-être. Retourne dans le Forest Kingdom. Bah. Il va me tuer, tant pis. Je l'ai montré. Sorry. Ensuite, de toute façon, je l'avais fait en live en partie celui-ci. Hop, ensuite, donc j'ai fait un Witches pareil en live. J'ai fait celui-ci, donc vous le retrouverez en replay. Hein. Donc, c'est dans le Witches que moi j'ai réimprimé parce que je l'ai acheté une fois en papier, je l'ai acheté en PDF. Et du coup, bah, je les ai imprimés en A5. Voilà. Je trouve que ça, c'est largement suffisant. C'est mime, c'est un petit colo rapide à faire. Donc, j'ai pas noté ce que j'ai utilisé, bien entendu, du coup, là, parce que c'est. Voilà. Mais je sais qu'il y a du Prisma, il y a du hybride. Voilà. C'est tout. Les cheveux, je sais plus si j'ai fait quand même au poli ou. Non, je pense pas. J'ai dû prendre Prisma quand même. Mais les trop mimes, et puis toutes les étoiles, parce que c'est au Pentel. Hein. Ça brille. Je vous promets, ça brille. Hop là. Celui-là, je vais le mettre de côté parce que je vais en avoir besoin. Ensuite, je suis allée. Là, on est au 7 décembre. Vous voyez, j'ai bien. J'aime bien le carburé au mois de décembre. J'ai fait un colo. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc dans le vintage. Pareil, il a été fait en live en grande partie. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah, il y a du Stickles Frosted là. Pour les effets neige. Il y a du Pentel hybride. Du Luminance peut-être pour les. Oui, pour le rouge. C'est lumineux, sinon pas mal de Pentel hybride. Du Prisma pour bah, les personnages. Du Jelly Roll blanc, bien entendu. Mais. Et le fond, là. C'est de l'aquarelle. Là, c'est du Albrecht. Je pense. J'ai pas noté, hein, je suis vraiment au loin. Je m'acharne à mettre de l'aquarelle dans les bouquins, ça passe pas forcément bien. Pareil, là, ça doit être du Albrecht pour le sol, Albrecht là. Mais ça, il me semble que ça doit être quand même. Ça doit être une aquarelle que j'avais dû avoir dans mon calendrier de l'Avent. Comptoir d'aquarelle, me semble-t-il. Mais voilà. Pour ce petit colo, du coup c'est le deuxième du vintage. Là.
Ensuite, nous avons le Pokéfil. Donc, c'est cette page-ci. Mais vous voyez que j'ai fait celle d'après aussi. Bah oui, parce que j'étais en retard. Donc, j'ai fait le Pokéfil de novembre en décembre. Voilà. Mais, voilà, je ne sais plus trop comment il s'appelle en français. Pentel hybride, bien entendu, comme d'habitude. Moi, je les. Ah, je les utilise à fond, hein, mes hybrides. Voilà. Quoique, c'est peut-être même du. Les. Comment il s'appelle ceci? C'est écrit dessus. Je sais plus. Jelly Roll Sakura, mais c'est des Stardust. Sinon. Prisma, bien entendu. Pour le fond, c'est doit être du Albrecht. Intense peut-être. Pour les fonds. Franchement, je sais plus. Et j'ai des paillettes, mais alors partout sur le colo. Je les vois, ils sont pleins de paillettes, mais. Mes Mokémon. Voilà. Pour la page du mois de novembre, que j'ai faite en décembre, est-ce que je l'ai notée? Non, je n'ai pas noté, bien entendu. Décembre 2023. Hop. Du coup, je le garde vers moi parce que je vais devoir le ressortir. Donc moi je vous montre vraiment les colos dans l'ordre où ils ont été faits normalement. Je suis allée à une roulette sur la chaîne Twitch. Voilà, vous avez une récompense de points de chaîne où vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour me faire faire un colo. Vous avez une roulette Disney, une roulette hors Disney, une roulette Disney déjà entamée et une roulette Disney non entamé et pareil pour le hors Disney. Ça fait beaucoup de roulettes, mais enfin voilà, moi je m'y retrouve à peu près. Parce que j'essaye d'alterner, moi je fais un colo Disney et un colo hors Disney. Chose que je n'ai pas vraiment suivie dernièrement parce que j'ai fait pas mal de Disney dernièrement, mais normalement je fais un Disney et un hors Disney. Donc pour Cassie, j'ai fait ce petit colo. Donc c'est dans le. Color and Beautiful Fun Fantasy de Deria Sakirzoy, donc le Color and Chic 7, où j'ai utilisé un petit fond, voilà, j'ai fait un petit pochoir avec, c'est quoi, j'ai utilisé des encres. Je pense que c'était des encres. J'ai mis un petit peu de paillettes dans ses ongles. Focus, voilà, dans les ongles. Les cheveux, ça doit être du poli, bien entendu. La peau du Prisma. Et puis voilà. Et du jelly. J'ai un petit peu de jelly. Roll blanc. Voilà. Ensuite, le Pokéfil. Non, pas le Pokéfil. Le Tazé, c'est mignon. Il fallait faire Cendrillon. Hein, le mois dernier, c'était Grincheux. Donc, ce mois-ci, c'était Cendrillon. Donc, j'ai fait Cendrillon. Enfin, ce mois-ci. Non, mois de décembre, hein, bien entendu. Parce que ce mois-ci, je ne vous dis pas hein, le cadeau. Je ne sais pas si je le ferai ce mois-ci. Je suis. Alors, Prisma. Il y a du stylo gel. Il y a de l'aquarelle Néocolor 2 en fond. Voilà. Il y a de l'aquarelle là. C'est. Je ne sais plus. Sûrement celle que j'ai dû avoir dans mon calendrier de l'Avent, je pense. Ou celle que j'avais déjà d'avant. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. Mais j'ai pas noté, donc je peux pas vous dire lesquelles aquarelles c'est. Je ne m'en souviens plus. Beaucoup de Jelly Roll blanc. Hein, voilà, pour faire les petits points, les petites étoiles. Il y en a partout, jusque dans les gants, les chaussures. Voilà. Il y en a partout, partout,
Tout. Voilà. Pour le tas des simions que je n'ai toujours pas posté. Je crois que j'ai pas posté grand-chose. Enfin, j'ai tellement de. Voilà. De retard. Mais voilà. Ce livre avance bien. Voilà. Qu'on va le laisser de côté. Parce que ben, si je suis motivée à faire le. C'est Chicken Little? Chicken. Oui, c'est Chicken Little. Ensuite, eh ben, je suis retournée dans mon Pokémon. Poké Postal. Et j'ai fait cette page-ci. Elle m'a pris un peu plus de temps, celle-ci. J'étais pas forcément motivée à la faire. J'avoue que j'ai eu du mal à terminer. Je préfère quand même quand c'est des plus grands timbres, finalement. Je suis un peu bizarre. Mais. Donc c'est Mélofée, Topicœur et l'autre, je ne sais plus. Alors, aquarelle, ça c'est des aquarelles que j'ai prises sur Vinted à Marie, c'est Créa, je ne sais plus quoi sur Vinted, mais bref, c'est des aquarelles à elle. Voilà. Qui sont vraiment sympathiques. Bon, vous voyez bleu, mais c'est violet, hein. Franchement, c'est bien violet. Brillant et tout, c'est trop trop beau. J'ai utilisé ça, c'est quoi? C'est du Pentel hybride. Metallic blue, non, c'est pas celui-là, c'est avec le violet. Violet rouge, celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est du Pentel hybride. Comme c'est bizarre. J'ai ma bougie qui est en fin de vie. Mais non. Petite bougie. Pentel, Pentel, il y a du Mod Podge. Un tout petit peu de Mod Podge sur les ailes, mais vraiment un tout petit peu. Le focus, s'il vous plaît, madame, madame, madame Logitech. Là. Merci. Donc voilà, je vais mettre derrière parce que je ne l'ai pas mis, bien entendu, mais je l'ai faite en décembre aussi, celle-ci. Hop. Donc pareil, ça avance bien aussi, c'est bien. Ça fait plaisir. Hop, allez. Il faut que je pense aussi que j'ai cette page-ci à faire pour ce mois-ci. Youpi, youpi, yo. Allez, ça reste là. Après le Pokéfil, j'ai fait un petit marque-page et pareil, je l'ai fait en live, celui-ci. Donc, petit marque-page vintage. Voilà, celui-ci. Donc, les petits Mickey, petite mini vintage. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Bonne question. Du Prisma. Un peu de Pentel hybride. Sinon, moi, c'est que du Prisma. Ça a été quand même relativement vite. C'est la première fois que je faisais le fond au crayon en plus. Voilà. Il est enfin entamé. Hop. Après ça, je suis retournée dans mon petit Chris Rignac. C'est lequel? Celui-ci, c'est le Frog and Friend Edition. J'ai fait ce petit dragon. Alors, les crayons, si je ne m'abuse, c'est les. Ils sont noirs. Mon Dieu, comment ils s'appellent? Les Black Widow. On va y arriver. C'est les Black Widow. J'ai mis du Pentel hybride, bien entendu, parce que voilà, si je mets pas de Pentel hybride dans mes colos, ça ne va pas. Mais voilà, du Jelly Roll blanc, comme à chaque fois. Mais oui, c'est les Black Widow. Celui-ci, je sais pas trop où le mettre. Tout petit et je veux pas l'abîmer. Donc il va rester ici, près de moi. Ensuite, et c'est le dernier, parce qu'après après ça attaque oui, le mois de janvier. Donc après ça c'est le dernier que j'ai fait en décembre. J'ai pas fait, je sais pas, fait le tour. Mais c'est le
le colo pourquoi j'ai acheté ce bouquin. Hein. Voilà, donc j'ai fait la petite liconasse. Non, la petite licorne. Va se calmer. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Pardon. J'ai utilisé quoi? Des botfumeurs? J'ai un doute. Franchement, j'ai un doute sur ce que j'ai utilisé. J'ai pas noté. Bah voilà. Bah, j'ai mis la peinture acrylique blanche pour refaire les parties blanches. Hein, voilà. Enfin, c'était pas censé être blanc blanc, mais voilà, moi je voulais que ce soit blanc. Parce que le bleu ciel que j'avais, ça faisait pas. Non, ça n'allait pas. Donc. Sinon, non, je sais plus ce que c'est comme crayon. C'était Black Widow aussi. Ah oui, c'est ça, Black Widow. Non, non, c'est Black Widow. Que j'ai utilisé pour ceci. Donc oui, il faudrait que je fasse le tour. Voilà. Washi tape. Voilà, j'ai fait ma petite licorne, c'est bon. Je peux revendre le livre. Non, je déconne. Non, ils sont très très beaux les colos dans celui-ci. Donc je suis fort contente de l'avoir. Mais voilà. La licorne, c'était mon préféré. Voilà. Donc voilà, pour les colos terminés du mois de décembre. Je sais pas ce que c'était ça là. Décembre. Je sais pas. comme d'hab, bah, je les compte pas, donc je sais pas à combien je suis. Mais je pense que ça a été quand même un bon mois. Même si voilà, il y avait moins de colos en journée, hein, clairement, avec les vacances scolaires, avec les deux monstres à la maison. Voilà. Il y a eu un moment où j'étais fort fatiguée. Donc franchement, je sais pas trop à combien je suis là. Mais... De toute façon, c'est pas une course. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine parce que là j'en ai pas mal à vous filmer. Voilà. Entre le bilan, l'automne pack, la winter pack et le bureau tour qui va enfin arriver. Parce que j'ai enfin rangé mon bureau. Non mais voilà, nouvelle année. Truc de fou. On va voir combien de temps ça va durer, mais je pense pas que ce soit loin. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur Twitch. J'espère vous retrouver parce que demain je réattaque les lives. Ça va me faire du bien parce que ça m'avait manqué. Il neige. Il y a du soleil, c'est gris, mais j'ai l'impression qu'il neige. Il y a toujours un petit point météo avec moi. Hein, voilà. J'ai dû être speakerine dans une autre vie. Voilà. Allez, la bise. Et à bientôt. Ciao.